الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى وأوليائه المرتضى وأصحابه المقتدى أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله aujourd'hui c'est quatrième dans le mois de Rabi' al-Awwal et nous pouvons continuer avec l'explication Sirat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en particulier sur la vie de Madinat al-Munawwara. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce dua qu'il fin demandé avec Allah, Allah tabarak wa ta'ala fin purifier la ville de Madina, qui était connue auparavant comme Yathrib, maintenant l'est connue comme Madinat al-Munawwara. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba ikram je peux vivre bien de Medina ben nouveau la loi peut appliquer et n'a ben code d'éthique qui peut appliquer pour la communauté musulmane l'islam peut faire progrès et n'a ben conversion d'imoun peut accepter l'islam mais cela type dérange ben Quraysh dans Mecca. Saban Quraysh dans Mecca là, je type route ban l'occasion pour donner dito à musulman. Auparavant, c'est eux même qui fin faire plan pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban là fin faire plan pour donner dito à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui ban là type route de l'idito, fin vin de Madina et fin vin le chef, le leader de Madina, cela peut dérange ban Quraysh. Cette jalousie devient tellement fort qu'il a maintenant envie d'un dito à un musulman. C'est un musulman qui auparavant, autrefois, dans le passé, c'est un musulman qui a une difficulté, aujourd'hui, il peut vivre bien dans Madina, Quraysh n'est pas capable de ça. Une leçon ça pour la communauté musulmane en entier. Très souvent, il a une mentalité comme ça, quand il n'est pas capable de trouver son camarade, vivre bien, il a besoin de créer un problème, donner une difficulté, tout ça dit mon nom. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba ikram se fin passé dans ben circonstances comme ça. Il y a trois groupes juifs dans Madina qui m'ont fait mentionner dans ben vidéo avant. Sa premier groupe juif là, ben Banu Qaynuqa, c'était premier groupe qui ben là pour casse l'alliance avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ben là pour une ben communication, ben connexion discrète qui banna pour établir avec ban Quraysh de Mecca. Ben l'information vous commence à partager et nous vous remarquez pendant certaines ban tentatives qui pour venir ban Quraysh banna pour essayer venir de Medina d'un dito à ban sahaba ikram cela continuellement pour arriver. Mais quand même ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba ikram veut finir manage la situation. Mais là, on arrive à un grand problème dans deuxième année Hijri. Dans deuxième année Hijri, Allah tabarak wa ta'ala lui fait Rosa min Farb. Rosa, à l'époque-là, n'est pas encore Farb obligatoire dans le mois de Ramadan, nous, les musulmans. C'est dans deuxième année Hijri qu'Allah tabarak wa ta'ala lui fait Rosa min Farb. Zakat, n'est pas Farb, n'est pas obligatoire. Allah tabarak wa ta'ala, dans deuxième année Hijri, lui fait Zakat min Farb. Farb. Même moment à ce ban musulman ka ban la fin kit Makkah al Mukarrama fin vin de Medina ban la fin kit zot la case ban la fin kit zot du bien ban la fin kit zot ban saman zot ban belongings ki ban nan chena fin kit tout là-bas de Makkah. Logiquement parlant qu'un dimoun pe kit sur la case il pe kit sur ban saman sur ban commodité ki na de la case. Après un an, après quelques mois, après quelques temps, après deux ans, après trois ans, Dimounla l'y retourne, l'y aller, l'y aller sur la case, nous expect que Dimounla l'y regagne sur ban commodité, l'y regagne sur la case, l'y regagne sur du bien. C'est quelque chose qui est logique.
Et Dimon lui quitte ce pays, il y aller à faire Hajj, après un mois, il est retourné, sur la case encore la même, sur une commodité encore la même. Et Dimon lui quitte ce pays, il fait l'étude à l'extérieur, quand il retourne après un an, après 10 ans, il y a encore une sur la case, il y a encore une sur une belongings. Ban Quraysh de Makkah, ban là fin capture la case et du bien de Saban musulman. Saban Muhajir qui fin quitte Makkah fin al-Madina, là, je ne paye dis du bien. Je ne paye dis de la case, je ne paye dis tout. Et ben Quraysh fin pense à l'argent là, fin investissant dans une caravane de business. Et sa caravane qui pourrait tourner là, qui fait business, tout le monde dit monde à Makkah, tout le monde Quraysh, ça qu'il y a une partie là-dedans. L'argent capital, c'était pour musulmans. Qui sont là qui vous bénéficient hein? C'est Ban Quraysh. Ban musulmans de Madina, Kabana, Fingay, San Nouvelle-là, Ban Nadia, non. Nous pas capables d'accord. Nous pas capables d'accepter. Qui, Saban Dimoun, dans ma cas-là, Ban Quraysh, Ban Nafin prend nous du bien, Fin prend nous la carte, nous Ban Belongings, Fin investi, et Ban Nan qui vous gagne profit. Donc Ban Nafin décide pour intercepter sa caravane là. Mais là, Libon, qui nous aussi connaît, qui, dans ma camp, ban juif le type gagne, dans ma camp, ban Quraysh, ban na type gagne coup de main avec ban juif. Qui fait, hein? Parce que ban juif, ce leader, Abdullah bin Ubay, qui supposé bin leader de Madina, mais par l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas fin bin leader, c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fin bin leader de Madina. Abdullah bin Ubay, l'in montré un bon dimoun, l'in converti, l'in accepté l'islam hypocritement. Sur la bouche d'Idia des musulmans, mais avec ce léquier des pédodictions à la communauté musulmane. Donc, ma nouvelle, ma message peut circuler. Musulmane, vit envie d'intercepter sa caravane là, parce qu'il capital, l'argent, plus jeune. Auparavant, ma nafin prend sa décision là, mais après, ma nafin informe du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Nabil Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, il n'y a pas conseillé maintenant pour faire un travail comme ça. Voilà l'akhiratu khayrul laka min al-oula. Allah tabarak wa ta'ala vous donne beaucoup plus meilleur de l'akhirat. C'est qu'il peut dire dans la dunya, il peut dire Allah vous donne encore. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit maintenant, pas pour intercepter sa caravane. Laisse-y aller. En même temps, c'est-à-dire que sa caravane là, il est sorti depuis dans la Syrie, caravane là, puis arrivé à Makkah. Le chemin, il a besoin de passeport Madina. Abu Sufyan, il contrôle sa caravane. Là. Et dans ma camp, Abu Jahl, c'est lui, leader de Ban Quraysh. L'ingé sa nouvelle là, qui est musulman de Madina pour intercepter sa caravane. Là. Abu Jahl, lui, il prend décision qui pour besoin aller prendre l'équipe Ban Quraysh, prendre l'équipe Ban Jimoun avec eux, aller à défendre sa caravane là, parce qu'il est musulman pour attaquer. Lui, dans ce la tête, il y a ça. Qui musulmane pour attaquer caravane, nous besoin aller défendre caravane, l'in essaye mobilise tout ce bandit mounkena, l'in cause en banan, l'in conscientise banan, banan dit ok, nous pour aller défendre caravane, maintenant fin sorti, fin prend cheval, fin prend chameau, fin prend zombie, fin prend manger, fin prend délo, fin prend tout fin sorti finalement. Abu Sufyan dans la Syrie maintenant, l'ici l'in a une nouvelle qui peut-être musulmane pour intercepter sa caravane là. Au lieu qu'il y passe par Madina pour lui venir dans Makkah, il fait un chemin à la côte, il fait un long chemin pour lui venir. Pour nous comprendre bien, dans le contexte maurice, nous disons un dimoun, si il y en a pour sortir les nords, pour lui aller vers les sud, pour aller au Kirpip, pour aller peu importe tout ça, il passe par les nords, il fait un codon, après il passe, il continue le chemin neuf, il aller vers Kirpip. Mais aujourd'hui, avec facilité, il a fait un bypass, il a passé par l'autre chemin. Il évite ça pour lui là. Comme ça même, Abu Sufyan fin faire, pour lui éviter Madina, il fait l'autre chemin. Il pas fin passe par Madina et de cette façon, caravane fin safe, caravane pena aucun problème. Quand caravane fin safe, caravane pena aucun problème, Abu Jahl fin gagne nouvelle. Caravane safe, caravane pena aucun problème, mais Abu Jahl tient un autre but de cela. Il dit à Madina, nous ne venons même, nous n'avons dimoun, nous n'avons homme, nous n'avons l'épée, nous n'avons cheval, nous n'avons chameau, nous n'avons tout. Laisse-nous attaquer la communauté musulmane. Là, j'ai l'intention, fin vini, nous trouvons une vraie intention, c'est attaquer la communauté musulmane. Inch'Allah, demain nous continuons à l'explication là. Amin, thumma amin, wa akhru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.